Ozama est une artiste contemporaine, avant-gardiste, peintre, sculptrice et écrivain. Née en 1929 au Japon, elle se classe numéro 3 sur la liste des artistes vivants le plus cher. Depuis 1973, à sa demande, elle vit dans un hôpital psychiatrique au Japon et continue de créer des œuvres abstraites marquées par le principe de l'accumulation. Elle mène des études d'art malgré l'opposition de ses parents, bien que peu de femmes soient élevées au rang d'artistes dans la société japonaise profondément conservatrice à cette époque-là. En 1958, elle déménage aux États-Unis où elle est contrainte de vivre avec peu de moyens. À New York, elle commence à exposer avec les artistes de l'avant-garde comme Yves Klein ou Andy Warhol. L'artiste marqua les années 1960 avec ses performances liées à la nudité et à la liberté de jouir de son corps. Son art psychédélique et proche du pop art s'inscrit pleinement dans l'avant-garde. En 1964, elle expose sa première installation Aggregation 1000 Boats Show à la galerie Stein. Cette œuvre immersive impressionna Andy Warhol et remporta un grand succès. Elle se compose d'une barque monochrome entièrement recouverte des formes molles en forme du sexe masculin. Ce traumatisme du sexe vient de l'expérience personnelle de l'artiste, notamment du comportement adultère de son père avec sa mère. L'enfance de Kusama éveilla chez elle une méfiance à l'égard du sexe et des relations intimes. L'œuvre de Yayoi Kusama peut être décrite comme psychosomatique. Ses hallucinations sont omniprésentes dans son travail. Pour elle, l'art est une forme de catharsis des angoisses dont elle est victime. Elle crée à partir de sa maladie, de ses névroses. L'artiste, à la personnalité excentrique, touché par un trouble obsessionnel, décline les poids à l'infini, envahissant entièrement l'espace. Kusama craint la disparition de l'individualité. Pleine de contradictions, elle ne veut pas que l'être humain ne soit qu'un poids parmi d'autres poids. En conséquence, elle les reproduit par milliers pour se débarrasser de ce sentiment de froid. La notion d'infini est un fil conducteur dans toute l'œuvre de Kusama. Le miroir des multiples espaces, les poids colonisent son environnement sans limite. Les échelles lumineuses n'ont ni début ni fin. Peep Show ou Endless Love Show est une œuvre créée en 1966, associée à l'érotisme et à la pornographie. L'artiste créa un espace hexagonal dont toutes les surfaces miroitées reflètent sans fin le dispositif lumineux au son de la chanson Help des Beatles, diffusée en boucle. C'est cette œuvre qui préfigure une série des Infinity Mirror Rooms qui lui apporta sa renommée mondiale. Les Infinity Mirror Rooms sont des pièces entièrement recouvertes de miroirs multipliant des motifs à l'infini où le spectateur se trouve immergé dans un paysage hypnotique et coloré pour y vivre une expérience sensorielle intense et unique. Une femme de poids. Yayoi Kusama conçoit son corps et son image comme un support artistique, mais aussi un outil de communication. Grâce à son art total, hypnotique et coloré, l'artiste est connue dans le monde entier pour ses impressionnantes installations immersives. Elles ont inspiré des artistes comme Yoko Ono ou encore Damien Hirst, et on était exposé dans les plus grands lieux dédiés à l'art contemporain, au MoMA à New York, au Centre Georges Pompidou à Paris,
ou encore à la Biennale de Venise. Kusama ne cesse de susciter l'admiration avec des œuvres à la limite du psychodélisme, perturbant nos notions d'espace et de réalité. Merci.